Bienvenue à toutes et tous qui êtes présents dans cette salle du campus Condorcet et merci à tous les militants qui l'ont installée. Un salut aussi à celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Merci d'être là si nombreux pour cette rencontre avec David Harvey, que l'Institut La Boétie a la fierté d'accueillir cette semaine pour une série de deux conférences à Paris. La première, une coupe transversale dans l'œuvre de David Harvey, s'est tenue samedi dernier. Et je sais, grâce à tous les messages que nous avons reçus, combien elle a pu vous intéresser. Celle de ce soir est toute différente, exceptionnelle à maints égards, puisqu'il s'agit d'une conversation politique et scientifique entre David Harvey et Jean-Luc Mélenchon. Un mot sur l'Institut La Boétie que président Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet. Clémence, qui s'excuse d'avoir pu être des nôtres ce soir, mais qui représente la France insoumise en ce moment même au meeting de soutien au soulèvement de la Terre. Un mot donc, puisque je sais que c'est la première fois, pour un certain nombre d'entre vous, que vous vous retrouvez à l'un de nos événements. Nous avons lancé l'Institut cette année, ou plutôt en décembre 2022. Nous sommes donc tout neufs. Notre objectif est de fabriquer un lieu pour créer des liens entre les mondes intellectuels, universitaires, artistiques et politiques. Faire rayonner la pensée critique, la diffuser, la rendre accessible au plus grand nombre. Construire un lieu de production et de diffusion intellectuelle de haut niveau, utile à l'action et dont les travaux résonnent largement. Parce que la lutte politique a besoin de ce rapport avec la science, la pensée, la création et inversement, parce qu'à gauche, la pensée trouve son accomplissement dans l'action transformatrice. Je dois vous dire ma fierté d'être engagé dans un institut qui permet à David Harvey d'être parmi nous aujourd'hui. Je veux d'ailleurs remercier celles et ceux qui ont œuvré pour organiser cela, Manel Ménal et Antoine Salès-Papou d'abord, cheville ouvrière de l'institut. Les éditeurs Nicolas Yeskaz et Sébastien Budgen aussi, dont le travail a permis de rendre accessible la pensée de David Harvey. Cécile Gintrac, enfin, que j'ai rencontrée à une conférence de David Harvey voilà 13 ans maintenant, et avec qui j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui le département de géographie. Celles et ceux qui suivent les activités de l'Institut doivent se rendre compte que les événements et publications s'enchaînent quasiment chaque jour. Le département de géographie prend sa part à ce travail collectif mené par 7 départements, bientôt 8, et par tous les chercheurs qui y participent. En écrivant des notes, en organisant des rencontres, prochainement un colloque important sur les grands projets inutiles, et bien sûr en conviant des intellectuels comme David Harvey, ou Andreas Malm, qui est venu fin mars et qui reviendra dès cet automne pour une autre conférence. Vous l'avez compris, le dialogue de ce soir entre David Harvey et Jean-Luc Mélenchon n'est pas un événement banal. Et je voudrais, en notre nom, en votre nom à toutes et tous, dire notre gratitude à David Harvey et Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais aussi, et pour finir, avoir une pensée pour notre ami, camarade et traducteur de Paris, capitale de la modernité, le géographe Mathieu Giroux qui n'est plus. À vous la parole. À vous la parole, à toi Cécile, je crois, et bonne soirée à tous. Merci. Merci Alan. David Harvey a effectivement accepté la chaire de département de géographie de l'Institut La Boétie et c'est à la fois une grande chance et un grand honneur.
car David Harvey, vous l'avez sans doute lu, est le géographe le plus cité au monde et l'un des penseurs de sciences sociales les plus influents. Il a contribué à produire et à diffuser la géographie radicale marxiste qui se donne pour objectif de construire une compréhension, une théorie de la géographie du capitalisme contemporain et de ses crises, et plus globalement des mécanismes spatiaux de la domination. C'est un géographe britannique, mais il a commencé à lire Marx avec ses étudiants lorsqu'il enseignait à l'université de Baltimore, aux États-Unis. Et il a ensuite fait sa carrière à l'université de New York, où il a formé de nombreux géographes. C'est aussi l'un des plus grands spécialistes actuels de Marx, et ses conférences sur le capital et les Grundrisse sont suivies sur Internet dans le monde entier. Car il a à cœur, comme nous ce soir, la diffusion la plus large possible de son œuvre et de celle de Marx. Samedi dernier, nous avons eu la chance de l'écouter parler de son œuvre dans une conférence sur la géographie du capital. Il nous a raconté comment il est devenu géographe et comment, à la fin des années 60, il a découvert Marx, qui n'a pas cessé de nourrir sa réflexion. Il nous a expliqué que le capitalisme ne résout jamais ses contradictions et ses crises, mais qu'il ne fait que les déplacer, notamment en se fixant dans l'espace. Nous avons aussi évoqué avec lui les logiques prédatrices du capitalisme, les mécanismes de dépossession des populations au profit des plus riches. Nous vous invitons à regarder cette conférence qui est disponible en ligne sur la page YouTube de l'Institut La Boétie. David Harvey est un chercheur, un théoricien, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est toujours posé la question de l'action politique, des luttes urbaines. Il s'est lui-même engagé dans certaines de ces luttes et continue à le faire, ce qui est le propre de la géographie critique, une géographie qui assume son engagement. Jean-Luc Mélenchon compte parmi les rares hommes politiques actuels qui accordent une place centrale à la réflexion théorique et aux idées. Candidat à l'élection présidentielle en 2017 et en 2022 pour la France insoumise, il a réalisé des résultats historiques pour la gauche radicale en France et en Europe. À l'occasion des dernières élections législatives, il a également été à l'initiative de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, devenue aujourd'hui la première force d'opposition au Parlement français. Mais il a aussi à son actif un long travail d'élaboration théorique au travers d'une vingtaine d'ouvrages publiés, parmi lesquels on peut citer « La conquête du chaos »,« Qu'ils s'en aillent tous », »,« De la vertu » et surtout « L'ère du peuple », où il propose un renouvellement doctrinal pour la gauche en développant notamment les concepts de peuple et de révolution citoyenne. David Harvey et Jean-Luc Mélenchon ont donc eu le souhait commun d'engager un dialogue sur les outils politiques à construire face aux logiques du capitalisme et du néolibéralisme. À quelle échelle, à quel niveau pouvons-nous lutter contre la marchandisation du monde, contre la dépossession des populations ? Et donc organiser un tel dialogue exceptionnel à bien des égards entre l'un des universitaires critiques les plus réputés et reconnus au monde et un leader politique de premier plan pour notre camp entre précisément dans l'objectif que nous nous sommes fixés au sein de l'Institut La Boétie. Créer des ponts, des allers-retours entre la pensée critique et l'action politique, on en avait un peu perdu l'habitude et je dois dire que ce soir je crois qu'on est en plein dedans. Donc c'est une très bonne perspective qui s'annonce. Alors nous n'oublierons pas non plus de remercier Cécile Le Bourdon et Maura Paulin qui sont derrière vous et qui assurent la lourde tâche de la traduction simultanée. Donc merci à elles. Et du fait même de ce dispositif de traduction assez exceptionnel et du temps qui nous est imparti, nous ne pourrons malheureusement pas prendre de questions du public, mais croyez-moi, toute l'équipe, en tout cas Nicolas et moi, nous avons beaucoup travaillé pour essayer de trouver des questions qui, à mon avis, seront aussi les vôtres. Voilà, donc nous allons commencer sans transition sur cette première question, Nicolas. Oui, avec une première question sur Paris. David, en 1976 et 1977, vous avez passé une année à Paris dans le but de vous familiariser avec le marxisme français. Et c'était l'époque où vous écriviez ce qui est devenu votre grand ouvrage théorique, Les limites du capital, qui paraît quelques années plus tard, en 1982. Et Paris devient alors un objet d'étude en soi pour vous. Et pour longtemps, puisque votre livre « Paris, capitale de la modernité »
paraît en 2002. Est-ce que vous pourriez nous dire quel rôle Paris a tenu dans votre parcours intellectuel, militant, politique et peut-être personnel ? En effet, je suis venue ici à Paris. Je suis venue au milieu des années 70 parce que à l'époque, il y avait un groupe de sociologistes Urma qui développait une interprétation marxiste de la ville. Et il m'a semblé à l'époque que comme je commençais à être fascinée par cette idée, ce serait une bonne occasion pour moi. Donc je suis venue ici à Paris et j'ai passé beaucoup de temps à apprendre autant que possible. Et je suis très reconnaissante de cette expérience. Mais ce qui m'a fascinée aussi, c'est que j'ai commencé à détester le Sacré-Cœur. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et je n'ai pas compris jusqu'à ce que je trouve son rôle par rapport à la Commune de Paris. Et en quelque sorte, ce que j'ai fait, c'est de tout d'un coup commencer à travailler sur un projet. J'ai commencé à lire, à étudier les œuvres de Marx qui parlaient de la Commune de Paris et de ce qui s'était passé avant, et j'ai commencé à m'intéresser aux changements de format politique, le consumérisme et les rôles avec la ville. Et donc j'ai commencé à étudier Paris. Et c'était formidable. Et je venais ici l'été, je parlais à personne. J'allais à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et voilà comment je passais mes étés. Sauf que j'avais besoin d'un lieu pour habiter. Donc pendant cette époque, j'ai commencé à connaître certaines personnes. Et comme vous le savez, les Français aiment partir en vacances pendant l'été, donc je me suis retrouvée avec les clés de 4 appartements à Paris et les instructions sur comment nourrir les chats et arroser les plants de cannabis. Donc voilà comment j'ai passé mes étés à Paris. C'était assez délicieux comme mode de vie. Et il se trouve que la crise qu'a connue Paris en 1968 était lié au financement de la ville. Et c'était pareil que à la ville de New York en 1973, qui a amené à la banqueroute de la ville. Et donc je me suis dit que c'était une manière de comprendre ces caractéristiques essentielles dans les villes. Et la Commune de Paris était bien sûr un événement formidable avec des aspects positifs, négatifs. Ce qui s'est passé après a été tout à fait horrible. Et j'ai été fascinée par cette histoire. Et c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Et comme disait Nicolas, à l'époque, j'écrivais ce livre sur la théorie de Marx. Et je voulais, en fait, rédiger un livre qui ferait l'union entre l'histoire et la théorie. C'est quelque chose que j'aime imaginer encore aujourd'hui, que ce soit possible. À la fin, c'était impossible. Donc j'ai fini par écrire un livre théorique sur les limites du capital et l'autre sur Paris, capitale de la modernité. Mais ma lecture de Marx a été affectée par ses études urbaines. Il y a eu beaucoup de textes sur Marx à l'époque, dans les années 70,
Mais personne écrivait sur le sujet de la finance. Mais il fallait gérer les questions de finance quand on gérait la ville. On ne parlait pas d'utilisation des terres, on ne parlait pas des changements de l'organisation spatiale de la ville. Donc, il a fallu intégrer toutes ces choses dans la théorie. Et je pense que le livre « Les limites du capital » était intéressant parce que ça a étudié les questions principales de Marx, mais regardez aussi les questions sur le capital irréel. Et bien sûr que encore aujourd'hui, ce qui se passe avec les loyers est essentiel et on revient à une espèce de théorie qui ressemble au principe de ce que Marx décrivait. Cette expérience à Paris, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans cette réflexion. Et donc, je suis très heureux de revenir à Paris. C'est la première fois depuis longtemps. Je suis venu que trois fois depuis 20 ans. Donc, je suis très heureux d'être là. Et Paris spécialement attirant aujourd'hui parce qu'il y a une alliance de la gauche. Mon Dieu, formidable. Et je suis venue pour apprendre comment créer cette alliance. Et si je peux contribuer au travail de l'Institut, je serais ravie de pouvoir le faire. Donc voilà pour Paris, mon histoire à Paris. Histoire à Paris. Je suis venu à Paris, j'étais de banlieue, enfin je suis d'un peu partout. Je suis venu à Paris pour pouvoir être enfin incognito. C'est complètement raté. Et maintenant, je fais partie des nombreux cobayes des expériences de Madame Hidalgo. Et ça m'a permis de découvrir un nouveau thème de combat dans la lutte anticapitaliste, cher David, le droit au silence. Nous sommes une ville horriblement bruyante et même des sourds comme moi arrivent à ne plus le supporter. Alors... voilà. Bon, sinon, j'ai été pas mal amoureux à Paris. Mais la ville, maintenant, pour en parler sérieusement, mais je la regarde avec une fascination toujours intacte. D'abord, j'étais passionné de la ville romaine. Parce qu'il y a une escroquerie dans l'histoire. César raconte la bataille qu'il a menée dans le coin. C'est pas vrai, il est jamais venu. C'est son lieutenant qui est venu, Labienus. Et il s'est trompé, il a pris Nanterre, puisqu'il ne pouvait pas savoir, pour Paris. Les Gaulois parisiens étaient à Nanterre, ils n'ont jamais été ici, et sur les îles, c'était un enclos à cheval. Ils mettaient leurs chevaux, là. Hein. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y avait des gens ici? Pourquoi je pose la question? Parce que David a fait un livre sur Paris, capitale de la modernité, et il fait la démonstration absolument formidable de ce que veut dire la production capitaliste d'une ville. Là, le baron Haussmann démolit l'ancienne ville et il y construit ce que vous savez, avec un but essentiellement capitaliste. Et avant le livre d'Harvey, on n'en avait aucune conscience. Donc on n'avait pas la démonstration de ce que c'est que la production capitaliste de l'espace. Des fois, une idée qui ensuite paraît simple devient véritablement détonatrice parce que par contagion, elle atteint plein de compartiments de la pensée. Et donc, moi, je me suis intéressé à la première modernité de Paris. Alors d'abord, j'ai pris des précautions pour savoir si elle n'en avait pas déjà parlé. Non. Le premier moment où Paris est capitale de la modernité, c'est quand arrivent deux types, un arpenteur et un administrateur romain, et ils viennent avec un outil qui s'appelle la groma, qui a un bâton avec un rond dessus et des plombs, et il s'est installé entre le 172 et le 174 rue Saint-Jacques, qui est le point de départ du Cardo Maximus de Paris, et le Decumanus Maximus, il est rue des Écoles. Donc il y a deux axes dans Paris, et la ville moderne, c'est-à-dire la ville romaine, est partie de cet endroit. Vous pouvez y aller, David, aller voir ça, il y a un marchand de pinards là, au 174... On perd pas son temps. Bon, il n'y a rien à voir, mais enfin, c'est toujours intéressant de savoir qu'on est sur le point le plus haut de Paris. Et cette ville, parce que c'est une ville, on retrouve d'ailleurs le module de base qui fait
150 pieds romains, c'est-à-dire 88 mètres, et qu'on retrouve sur tout le sol. Ce qui a une signification immédiate, c'est que soit il n'y avait personne, et donc ils ont pu suivre leur plan et produire la ville, soit il y avait du monde, mais ils n'en avaient rien à faire et ils les ont foutus dehors. Ça devait être des cabanes qu'il y avait là. Et ça donne la ville. Et alors, la ville de Paris est intrinsèquement, fondamentalement, une ville révolutionnaire. Parce que le premier boulevard qu'il y a eu, c'est le boulevard Saint-Michel. Et sur ce boulevard Saint-Michel, aux alentours des années 400 et des choses, vous avez eu la première manifestation de l'Antiquité, chez nous. La garnison romaine était composée de militaires gaulois, à qui on avait dit qu'il fallait qu'ils partent en Orient. Alors, faire légionnaire, oui, aller en Orient, non. Donc, ils ont fait une manif, et ils ont descendu le boulevard Saint-Michel pour la première fois. Je vous raconte pas la suite, sinon on est là demain, mais... La ville, je viens à ce qui m'intéresse moi, le sujet de la production sui generis par la ville d'un type de rapport politique. Ce boulevard descend sur l'île de la Cité, où se trouve la cité administrative des Romains, et donc c'est un axe politique. Et la ville de Paris, parce que c'est une ville, va générer des formes particulières de lutte politique et de révolution. Alors on va faire bref, la première que je vais pointer, je viens de le faire, c'est la manif, je ne peux plus passer boulevard Saint-Michel sans y penser. Et ensuite, vous arrivez et vous allez tomber sur l'hôtel de ville. D'abord, on a passé l'île de la Cité, d'accord, on arrive à l'hôtel de ville. Là, vous avez la statue d'Étienne Marcel, 1358, première révolution citoyenne de l'histoire de France. Pourquoi révolution citoyenne? Parce que ce n'est pas simplement une jacquerie où des hordes de paysans sortent de la campagne, les malheureux n'ayant jamais laissé aucun récit, puisqu'ils ne savent pas lire et écrire, et que ceux qui racontent leur révolution, en général, ne les aiment pas beaucoup. Vous savez que la jacquerie, par exemple, elle a duré moins que la Commune de Paris, la grande jacquerie. Et on a réprimé pendant un an et demi, on continue à pendre des paysans partout dans le pays. La révolution citoyenne d'Étienne Marcel, c'est un cas de figure tellement inouï qu'il peut encore aujourd'hui être étudié sous la forme d'une révolution moderne. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve le phénomène de transcroissance de la revendication fiscale à la revendication politique et à la revendication sociale. Les villes, à l'époque, sont des lieux en rupture avec le système féodal, et un monde nouveau est en train d'émerger. Bref, Étienne Marcel. Et puis après, évidemment, la Grande Révolution de 1789. Elle est menée dans cette conjonction qui est très spéciale à la France, par les luttes populaires et le salariat. Le seul salariat qu'il y a à Paris, c'est celui qui est dans le quartier Saint-Antoine, et notamment il y a l'imprimerie de papier peint qui s'appelle Réveillon. Les ouvriers de Réveillon ont été réprimés au mois de février, on en a tué 60, et c'est eux qui, le 14 juillet, vont prendre la Bastille. La vérité est que la révolution a commencé sur les barrières de Paris le 12 et 13 juillet. Mais là aussi, il y a des barrières, il y a donc le dedans de la ville et l'extérieur. À chaque étape, je suis allé plus vite, mais le symbole de la royauté, la Bastille, et c'est pas vrai que c'était un endroit où il n'y avait personne, parce qu'il y avait au moins un canon qui a tué 100 personnes. Mais donc c'est un symbole politique. La ville a généré la confrontation avec le symbole de la monarchie, qu'est la Bastille, et ses lettres de cachet. Et ensuite, le processus d'accélération de la Révolution. Et ce sont des ouvriers qui montent les premiers, au point que Jean Jaurès dit... Eh bien, un bourgeois, parce que pour lui, la Révolution française est une révolution bourgeoise. Et il dit, un bon marxiste, bien orthodoxe, évidemment, elle est plus complexe que ça, la Révolution. Mais il dit, ben, bourgeois, même pour faire vos révolutions, il faut que ce soit les ouvriers qui s'en occupent. Bon. Là, mais c'est le quartier Saint-Antoine qui descend, mais sur 50 barrières de Paris, c'est-à-dire des postes de douane, il y en a presque 40 qui sont détruits dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789. Donc l'événement politique, mais il se déduit de la forme ville. Et dans la Commune de Paris, David vient de dire ce qu'il avait en pensé, on connaît la formule de Marx, il dit c'est la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat, ça prouve qu'il n'avait pas lu l'appel qu'avait voté la Commune de Paris. Mais la Commune de Paris va mettre à l'ordre du jour la barricade dans Paris. Et c'est les premières photos qui existent en France, est une photo de barricade. La barricade s'est repérée depuis l'an 1300 et des choses. La barricade s'est coupée en réseau. Ça n'a de sens que par rapport à la ville, la barricade. Nous avons donc, là, pour parler de ma passion, maintenant c'est fini,
le lien très étroit entre la forme d'organisation de la société sous la forme ville et les process révolutionnaires et politiques dans leur forme manifestation, révolution, barricade, contre-pouvoir. Tout ça résulte de la ville. Rien de ça n'est possible en dehors de la ville. Les révolutions paysannes n'ont jamais abouti à un quelconque point comparable à ce qui a pu se passer avec les révolutions urbaines. C'est pourquoi Paris est le symptôme de tout ça. Évidemment, après, vous avez Paris libéré, le reste, vous connaissez. Mais ce que je voudrais souligner à cet instant, c'est que dans mon esprit, il était évident qu'il y avait non seulement un mécanisme de production de la ville. En te lisant, David, on a pu, pour la première fois, bien comprendre à quel point c'était un processus lié à la formation capitaliste. Avant, on n'avait pas ça. Beaucoup pensaient que la ville était une sorte de... Bon, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens, ils viennent tous au même endroit, ils font une ville. Non, jamais la ville n'a été simplement un gros village. Les premières villes qu'on trouve, qui ont 6000 ans avant notre ère, elles sont en Ukraine, il y a déjà un plan quadrillé. Donc, entre la forme ville, le moment social auquel il correspond, et la forme politique des révolutions urbaines, il y a une continuité. C'est en tout, il y a une unité du temps et de l'espace. Merci. Bah, merci pour ce rappel historique. Mais justement, en fait, on en vient au monde actuel. Parce qu'on est actuellement dans une phase de rupture liée à la ville. C'est-à-dire que l'urbanisation, son expansion et la concentration dans les plus grandes villes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la métropolisation, sont des phénomènes finalement assez récents et qui s'accélèrent massivement sur ces dernières décennies. Donc de ce fait, ça modifie entièrement l'organisation des sociétés et ça modifie aussi l'organisation politique. Et à ce titre, David Harvey, vous avez écrit qu'il y avait une mécompréhension du potentiel et de la puissance des mouvements urbains par de nombreuses personnes à gauche, c'est-à-dire les personnes qui sont en partie réunies ici. C'est-à-dire que ces mouvements urbains sont souvent situés et mis en dehors de la lutte des classes et du potentiel révolutionnaire. Et pour vous, vous dites que la révolution sera urbaine ou ne sera pas. Donc je voulais vous demander, David, si vous pensez toujours que la révolution sera urbaine ou ne sera pas. Oui. Bien entendu, il faut une transformation radicale de toutes les facettes de la vie urbaine, une conjonction. Je sais que les deux premiers décrets de la commune étaient, un, l'expansion de la question du travail dans les boulangeries et l'autre portait sur le paiement des loyers, qui était une question pour les voisins, une question de voisinage. Et pour moi, depuis le début, ce que nous montre Paris, c'est qu'on ne peut pas juste s'asseoir et se dire, bon, les ouvriers vont s'en occuper, ils vont réaliser les changements nécessaires. Non, les gens doivent réaliser ces changements. Et à moins de décider de révolutionner la vie quotidienne de la ville, on ne peut pas révolutionner l'existant. Au cours des 30-40 dernières années, qui est la période néolibérale, on a vu des mobilisations d'individus dans un contexte de compétition. Et ça rend la question urbaine complexe. La lutte contre la gentrification de certains quartiers. La désorganisation de la vie quotidienne dans les quartiers. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où les gens sont très mobiles, où le travail devient précaire et il est donc très difficile de rassembler des gens autour d'enjeux urbains qui puissent les fédérer et qui puissent être au bénéfice de tous. Pour moi, il est essentiel
de réfléchir à un cadre théorique qui permette de comprendre comment fonctionnent les processus urbains. Car il faut comprendre ces processus, sans quoi il est impossible de les contrer. Or, il s'agit d'investissements dans le bâtiment, l'environnement battu, et c'est bien ce que souhaite faire le capital. Mon impression actuellement, c'est que l'urbanisation est devenue... les zones urbaines sont devenues littéralement des déchetteries, des zones où on dépose des charges. À New York, par exemple, on fait actuellement face à une crise de logement décent. Il y a au moins 60 000 personnes qui ne peuvent pas se loger. 60 000 personnes qui cherchent un logement décent de manière déjà temporaire, avec en parallèle une expansion très impressionnante de la construction, mais pour fabriquer des immeubles de luxe. C'est très impressionnant. Si vous allez à New York en pleine nuit, c'est incroyable de voir le nombre de bâtiments qui n'ont pas de lumière. Et on se dit, mais tous ces bâtiments, et il y a 60 000 personnes qui n'ont pas de logement à côté. C'est ça qui est absolument fou. Donc, quand je travaillais sur la question du logement, mes premiers questionnements théoriques étaient de se dire, en fait, si on attend que tout le monde ait un logement décent par le biais du marché, on va se retrouver avec une moitié de la population n'étant pas logée correctement et un nombre de SDF absolument incroyable. Et tout le monde m'a dit, ah, mais c'est terrible ça, à qui est-ce la faute? Ah, mais c'est la faute de eux, là, c'est la faute de ceux qui ne se sont pas éduqués correctement, ils n'ont pas trouvé des bons emplois, et on blâme les victimes. Et tout le monde a accepté cet argument. Eh bien non, ce ne sont pas les victimes qui sont à blâmer, mais ce sont ceux qui ont mis en place ce système, et c'est dû au lobby de la promotion immobilière. Ils ont des intérêts propres. Ils ne construisent que pour faire de l'argent. Ils ne construisent pas pour que les gens habitent dans les locaux. Et si je regarde ce qui se passe à New York, et je vois des choses assez similaires se présenter à Paris, je constate que 60% de ce qui se développe dans les villes sont faits par des promoteurs qui veulent en tirer un profit personnel. Et il reste 40% pour que les gens essayent de vivre dignement, au milieu de ces démonstrations de pouvoir impressionnantes qui sont liées à des entreprises extrêmement puissantes comme Blackstone, BlackRock. D'ailleurs, vous avez fait un très bon travail avec BlackRock. Et quand on regarde cela, on se rend compte que Haussmann était un pionnier à cet égard. Il avait besoin d'institutions financières spécifiques pour créer des immobilières, des fonds. Il a inventé une nouvelle structure pour le capital, pour pouvoir construire la ville. Et en parallèle, il a créé une urbanisation qui crée de la compétition urbaine. Et moi, j'ai un rêve. Et si on mettait en place, non pas une compétition urbaine, mais un monde de coopération interurbaine qui s'attaquerait aux changements climatiques, aux inégalités, à certains des enjeux sociaux de notre époque. Pour moi, ce qui est très important, et la manière dont j'ai essayé de travailler sur la théorie marxiste, c'est qu'il faut un cadre théorique que l'on pourrait apporter dans les quartiers pour parler avec les gens et leur expliquer, est-ce que vous comprenez à quel point il est important d'être anticapitaliste? Est-ce que vous comprenez que vous n'arriverez jamais à régler vos problèmes, à moins qu'il y ait un mouvement anticapitaliste à même de redéfinir la ville, les règles de son urbanisation à grande échelle? C'est ça qui me
faire réfléchir. Je pense qu'il faut une initiative politique qui parle de coopération interurbaine, de développement, et pas seulement concentré sur les aspects urbains, parce qu'il y a un autre souci qui est faire revivre, relancer l'activité en zone en zone rurale. Parce qu'aujourd'hui, on peut très souvent travailler dans les zones rurales, puisqu'on peut travailler sur Internet. Et donc, pour redynamiser les zones rurales, il faut créer des fondations qui fonctionnent d'abord dans les zones urbaines et qui ensuite s'associent avec les dynamiques rurales. Et pour moi, je le répète, quand on regarde la politique étrange qui prévoit aujourd'hui et les politiques dans les zones rurales qui sont extrêmement à droite, il faut vraiment, je pense, retravailler sur une coopération avec les zones urbaines. Ce qu'a fait Haussmann, c'est qu'il était pionnier dans la reconstruction de la ville dans des termes capitalistes, avec des institutions capitalistes. La commune a essayé de s'ériger contre cela, ça n'a pas fonctionné, mais on est aujourd'hui dans la même situation, bien longtemps après, où il faut de nouveau se révolter contre le pouvoir des institutions, des structures telles que BlackRock, Blackstone, tout en redéfinissant les règles de la politique. Parce qu'à New York, il y a eu des promoteurs, et ce sont eux qui ont le pouvoir sur la ville. Ils ont ce qu'on appelle, ce que j'appelais le droit à la ville. Quand je leur parlais de ce que c'était que le droit à la ville, ils ont dit, bah, c'est super ça, et c'est nous qui l'avons. Et nous allons en faire notre usage pour pouvoir obtenir les gains que nous souhaitons. Donc, la question du droit à la ville, c'est de savoir qui a ce droit. Et il faut y penser en termes de lutte de classe, parce que clairement, les représentants politiques iront toujours du côté des promoteurs. Nous devons nous élever contre cette réalité, être connectés. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous demander aussi, Jean-Luc Mélenchon, si cette révolution urbaine à laquelle nous assistons redéfinit pour vous l'acteur révolutionnaire. Autrement dit, est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un peuple à la faveur des mouvements sociaux? Je pense par exemple au mouvement Occupy ou au mouvement d'accès au transport au Brésil ou encore aux manifestations qui avaient eu lieu au Liban contre la corruption. Et donc, je voulais vous demander si ces mouvements étaient le signe de l'émergence d'un peuple. Et si dans ce cas-là, l'objectif était le droit à la ville, ou finalement il y avait autre chose derrière ces mouvements? Bon, d'abord que les révolutions contemporaines ne pourront être que des révolutions urbaines. Pour une raison fort simple, c'est que espace non urbanisé, il n'y en a plus. Je veux dire que l'écrasante majorité de la population, en France par exemple, c'est 80% de la population qui vit en ville. Et les autres vivent à ce qu'on appelle la campagne. Mais autrefois, il y avait la campagne et la ville. Où était la ville, là où s'arrêtait la campagne? Maintenant, où est la campagne, là où s'arrête la ville? La ville a couvert toute la surface du territoire. Il y a en ce moment une réorganisation partielle, comme l'a dit David à l'instant, par ceux qui, étant dans le monde rural, travaillent pour la ville par télétravail. Mais la réalité de masse, c'est 80% de la population vit en ville, dans les normes de la ville. Alors là, arrive la question qui fait de nous des harvistes ou pas, c'est est-ce que nous considérons la ville comme une sorte de décor, un arrière-plan en soi, ou bien est-ce que nous pensons que c'est une structure politiquement inclusive? Dans le prochain bouquin que j'éditerai, on parle de la valeur inclusive des situations et des objets. C'est-à-dire qu'une situation a une valeur inclusive dans un monde particulier. La ville inclut dans un type de rapport particulier, rapport de voisinage, rapport de transport, rapport de consommation. Mais par-dessus tout,
quand 80% de la population habite en ville, la population ne peut produire et reproduire son existence matérielle, pour utiliser les termes marxistes, qu'en accédant au réseau collectif, eau, électricité, etc., etc. Qu'est-ce qui n'est pas un réseau, c'est une autre question, mais là j'en reste aux aspects les plus sommaires. Et cette relation au réseau est une relation de lutte de classe. Car selon que le réseau est public ou privé, le rapport n'est pas le même. Et la relation au réseau est directement constitutive de l'accumulation du capital. Ce n'est pas seulement les bâtiments qui comptent. C'est que dès que vous allumez la lumière, dès que vous mettez en route le gaz ou ce que vous voulez, vous êtes dans un rapport qui va produire de la plus-value. Car il ne suffit pas de produire, il faut encore vendre. L'une des forces qui me paraît la plus indicative du travail de David Harvey, c'est quand il nous rappelle que le capital, le capitalisme n'est pas une chose, c'est un processus. Et si on retire du processus le moment où l'on vend, donc le moment où l'on consomme, eh bien, on parle du capitalisme d'une manière métaphysique, pas d'une manière matérialiste. Le capitalisme s'entend dans cette rotation dont le but est qu'elle aille de plus en plus vite. Tout ça, beaucoup d'entre vous le savent. Donc nous sommes bien dans la relation au réseau, à une relation de reproduction de l'existence matérielle. Mais, à la différence d'un rapport d'exploitation de classe direct dans une entreprise, vous travaillez gratuitement pendant un certain nombre d'heures pour le capital. La relation, alors, dans l'entreprise, vous avez la médiation du syndicat, de la lutte, la possibilité d'aller séquestrer le patron, ou faire toutes les choses que vous faites quand on est syndicaliste dans une entreprise. Quand vous êtes dans votre rapport au réseau, il n'y a aucune intermédiation entre moi et mon besoin. J'ai soif, la relation est binaire, ouvert ou fermé. Vous avez un contrat ou pas, vous avez payé ou bien on vous a coupé l'eau. Entre le robinet et moi, il n'y a pas d'intermédiation. S'il n'y a pas d'eau au robinet, je mourrai de soif. Pour prendre un exemple un peu résumé. Ça veut dire que le contenu des luttes urbaines est souvent un contenu terriblement radical, ce qui explique pourquoi les révolutions citoyennes auxquelles nous avons assisté, un, sont toutes dans les villes, deux, partent toutes de l'accumulation d'une lutte de type écologique, en général en lien avec la question de l'eau, ou la question des transports, et trois, elles instituent le peuple, c'est-à-dire qu'une population ou un peuplement, j'ai une dispute avec les géographes sur le mot, se constitue politiquement en entrant dans les revendications urbaines. Par conséquent, dans la conception de la théorie de la révolution citoyenne, la ville est centrale, aussi centrale que l'entreprise capitaliste l'est dans l'analyse traditionnelle. Et donc, elle fait, c'est la ville qui fait émerger le peuple politique, qui passe par une première phase instituante, c'est nous le peuple, nous sommes gilets jaunes, etc., etc., et dans une deuxième phase, qui est la phase destituante. On vire les pouvoirs, comment ça se fait que vous êtes encore là? Comment ça se fait que vous avez réussi à nous installer un réseau d'eau où il n'y a pas d'eau, ou un réseau d'électricité qui ne marche pas, etc., etc. Souvent, les luttes urbaines intègrent une dimension anticorruption qui est universelle. Ce que je viens de vous décrire, c'est vérifié dans absolument toutes les révolutions citoyennes des 30 dernières années, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Chili, que ce soit au Soudan, que ce soit même en Irak, dans le cercle vert qui se trouve en face de la zone où se sont retranchés les États-Unis d'Amérique. Ça prend toujours ces formes-là. J'achève en disant que le mécanisme traditionnel du capitalisme, pourquoi je parlais tout à l'heure du robinet, Marx a longuement décrit ce qu'est l'aliénation dans le travail. Mais l'aliénation en ville, elle est au moins aussi violente. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas avoir d'eau à mon robinet, de quoi suis-je dépossédé? De moi-même, pas de la culture de celui qui veut voir aboutir son objet, comme c'est la tradition marxiste d'analyse, c'est de moi-même, de mes besoins. Et les besoins me constituent comme personne. Donc ça montre l'enracinement du process de révolution citoyenne. Et à chaque fois, le process inverse, c'est-à-dire celui du capitalisme, va consister à créer de la rareté et à déposséder.
Dans l'exploitation capitaliste dans l'entreprise, on dépossède de l'objet et du fruit de son travail, notamment quand on fait travailler gratuitement. Dans la ville, on dépossède de soi-même. Et le mécanisme de dépossession, en quoi consiste-t-il ? Retirer le pouvoir. Les métropoles, les mégapoles n'ont rien à voir avec le système qui existait auparavant de libre association des communes dans les syndicats intercommunaux. Raison pour laquelle, politiquement, nous sommes communalistes. C'est-à-dire que nous croyons qu'à l'échelle de la commune, un pouvoir est organisable et à l'échelle du quartier. La loi prévoit d'ailleurs que les comités de quartier devraient exister partout dès qu'il y a 20 000 habitants, ce qui est rarement le cas. Mais nous autres insoumis, on ferait bien d'y penser assez souvent et pas de se réveiller au dernier moment quand il y a des municipales pour organiser les comités de quartier avant, parce que c'est la structure de base de la lutte. Les luttes urbaines, comme l'a très bien dit David, et ce qui est important dans l'œuvre de David, c'est qu'il légitime quelque chose dont vous n'avez pas idée des disputes auxquelles ça a donné lieu. Car je me rappelle pour ma part avoir écrit un texte en 1989 qui s'appelait « La social-démocratie urbaine ». Oubliez social-démocratie, ça n'avait rien à voir avec la politique social-démocrate, ça avait à voir avec la constitution des partis socialistes, qui résultaient tous de l'existence de syndicats dans les entreprises. Les Trade Unions ont créé le parti, le Labour Party. Et ensuite, dans toute l'Europe, soit le syndicat créait le parti, soit le parti créait le syndicat. Et c'est de cette manière que la classe ouvrière est devenue acteur de l'histoire. Je pensais, que les acteurs urbains étaient en état de créer une forme comparable d'organisation à travers les luttes de locataires. Et moi-même, comme élu local, j'ai organisé des associations de locataires ou des associations culturelles de locataires comme moyen de structurer la vie en commun et surtout de produire de la vie en commun. Car ce n'est pas parce qu'on est dans un réseau qu'on est proche. Je veux dire que souvent, vous ne connaissez pas votre voisin de palier, mais par contre, vous connaissez 500 gugus qui vous envoient la photo de leur gâteau d'anniversaire et de la naissance de leur gosse sur Facebook, que vous ne verrez jamais. Il faut, dans la ville, commencer par produire de la communauté humaine, de la socialisation, qui se réalise à travers l'activité politique, notamment, et pas seulement. Mais dans les villes nouvelles, j'ai été témoin, à la fois à Évry ou à Massy-Maville, du fait que le parti et l'organisation politique étaient producteurs de liens sociaux, producteurs d'identité sociale. Voilà ce que j'ai à dire sur ces révolutions, en étant aussi bref que je peux l'être. Le peuple se constitue comme acteur politique dans la ville et par la ville. Il devient un acteur politique à ce prix. La vieille, je la mentionne comme ça, querelle à propos des espaces urbains et périphériques, a peu de sens, car même ceux qui vivent dans les espaces périphériques vivent sur les normes et les intentions qui sont celles du peuple proprement urbain. 81% des gens qui vivent à la campagne ne sont pas paysans, ne chassent pas, n'élèvent pas d'animaux et ne font pas d'agriculture. Ce sont des rurbains, comme on dit. Ils sont donc entièrement pris dans les revendications d'accès au réseau. Et c'est d'ailleurs pourquoi le mouvement Gilets jaunes, c'est d'abord un mouvement qui naît de l'impossibilité de se déplacer et donc d'assumer la répartition nouvelle du territoire dans le capitalisme. Et le lieu d'assemblée citoyenne est important. Là, c'est le rond-point. C'est le rond-point qui devient le lieu où l'on délibère et on décide les actions, et ainsi de suite. Donc, à la barricade d'hier correspond le rond-point d'aujourd'hui et la projection sur le sol des réseaux Facebook et compagnie qui se retrouvent comme moyen d'organisation des réseaux humains qui viennent de la ville. Voilà comment, pour ma part, je souscris à la formule d'après laquelle ou bien les révolutions sont urbaines ou bien il n'y en a pas, pour la simple raison qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Merci. Vous m'offrez une transition parfaite puisque notre prochaine question concerne les réseaux et les infrastructures. Et d'après la théorie de David Harvey, les infrastructures sont en effet centrales en fait dans la circulation, la dynamique et la résolution des crises du capital ou leur déplacement. C'est-à-dire que concrètement, et je cite, les infrastructures physiques de transport et de communication fixées dans l'espace et immobiles, les ports, les aéroports, les systèmes de transport, sont nécessaires afin de faciliter le mouvement dans l'espace d'autres formes de capital et de travail.
Il y a donc, en fait, une dialectique ou une contradiction entre fixité et mouvement, en fait, qui est au cœur, en fait, de la théorie de David. Et je voudrais, David, si, vous demander de revenir, en fait, sur ce paradoxe apparent. Oui, en effet, le capital est une question de mouvement. Il faut que ça se déplace rapidement. Et le capital, généralement, se déplace de plus en plus rapidement, avec des résultats intéressants pour notre vie quotidienne. Une de ses conséquences se trouve dans le Grundrisseur de Marx quand il parle de la compréhension de la richesse. Et il dit que les capitalistes définissent la richesse en termes de biens. Plus ils ont d'argent, plus ils se sentent riches. Mais il y a une autre mesure de la richesse, c'est le temps libre. Et ce qui est intéressant, c'est que la première forme de richesse chasse cette deuxième forme de richesse. Le capital consomme le temps libre. Quand on demande aux gens s'ils ont plus de temps libre aujourd'hui qu'il y a 15 ans, la réponse est toujours non. Mais pourtant, la technologie liée à la vie urbaine est censée nous faire gagner du temps. Et pourtant, vous avez moins de temps, alors que vous avez la technologie qui est censée vous permettre de gagner du temps. Voilà une des dimensions qui, il me semble, devrait être au centre de notre réflexion. Comment organiser la société de manière à maximiser le temps libre pour tout le monde, pas seulement pour les milliardaires qui restent à son bureau et qui appuient sur les boutons pendant 10 minutes le matin pour se ramener un des millions de dollars pour ensuite aller passer son après-midi sur son yacht. Voilà une partie importante du problème. Le capital doit accélérer afin de se trouver un marché pour lui-même. Le capital est un système expansionniste. Et Marx dit clairement qu'il s'agit de l'accumulation pour l'accumulation, la production pour la production. Et quand on définit cela différemment, cela veut dire que la croissance doit être exponentielle. Il faut que ça monte, que ça monte, que ça monte. Et la valeur totale des biens et services en 1950 était à peu près 9 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 90 000 milliards de dollars. Et dans 50 ans, ce sera 900 000 milliards de dollars. Et il faut trouver le moyen d'utiliser ce capital de façon profitable. Faut en tirer un profit. Et Marx a souligné le fait que le temps perdu dans la circulation sur le marché est un problème pour le capital. Et alors que de plus en plus de capital cherche un marché, ce qu'il doit faire, c'est s'assurer que le temps passé en circulation est aussi proche possible que zéro. C'est intéressant. Alors, quelles sont les formes de consommation qui sont instantanées? L'expérience est le capital commence à vendre des expériences plutôt que vendre des choses. Kilibor a écrit sur la société du spectacle en 1967, je crois. Le spectacle. Les Jeux olympiques, la Coupe mondiale, tout devient spectacle. Et la vie urbaine devient de plus en plus une question
de spectacles instantanés et la consommation des spectacles. On voit l'émergence de nouveaux types d'économies, comme l'économie de Netflix. Et là, il s'agit encore une fois de vendre une expérience. Maintenant, on a des bateaux de croisière qui sont des métaphores de la vie capitaliste, où 2 000 à 3 000 personnes sont au service de 2 000 ou 3 000 personnes qui sont assis sur un énorme morceau de capital fixe qui se balade pendant une dizaine de jours, puis qui fait sortir les gens, et encore il y a d'autres personnes qui arrivent. Et on pose la question, est-ce que c'est comme ça que vous voulez passer votre temps libre sur un bateau de croisière? Et bien, pour certains, oui. Mais pour la majorité des gens, tout va de plus en plus vite. Et bien sûr, à la bourse, les échanges monétaires, les nouvelles technologies font que tout va de plus en plus vite. Et maintenant, on arrive à une période où l'intelligence artificielle est déployée, et ce qu'on en voit, c'est qu'on a vu dans la production à partir des années 1970, alors que de plus en plus de production a été automatisée, robotisée, et nous avons vu un phénomène de désindustrialisation, la fermeture d'usines, parce que ces usines ne pouvaient pas survivre. Et ces fermetures dans la production et la perte de ces emplois de production a affaibli le pouvoir des syndicats. Ça a affaibli beaucoup de possibilités politiques. Et les pertes d'emplois sont devenues un moyen de contrôle social. On licencie, on les met au chômage. Et l'armée de réservistes industriels croît. Et nous allons voir la même chose aujourd'hui avec l'industrie des services, avec la venue de l'intelligence artificielle. Et il va falloir se poser la question à savoir comment développer un style de vie urbain qui pourra soit contrôler l'intelligence artificielle, soit s'assurer que cette intelligence artificielle est utilisée de manière à être bénéfique aux gens. Et il y a une histoire intéressante à propos de la vie urbaine. Quand on a vu l'arrivée des ordinateurs et l'Internet, qui a été une invention militaire à l'origine, quand l'Internet a commencé à être disponible à tout le monde, beaucoup à gauche ont vu ça comme un moment d'utopie et que d'une manière ou une autre, on allait pouvoir se libérer, on allait pouvoir communiquer tous ensemble, on allait pouvoir développer des rapports sociaux. Et quand on travaillait dans ce domaine dans les années 90, on était optimiste. Je ne sais pas combien d'entre vous sont optimistes encore aujourd'hui. Moi, je suis très pessimiste. L'expérience s'est montrée, et voilà une des règles du jeu, l'expérience a montré que quand il y a une bonne idée, même à la gauche, le capital va voler cette idée et le transformer en quelque chose de négatif pour le peuple, mais positif pour le capital. Regardez comment Internet est structuré aujourd'hui. Qui tire les profits de l'Internet? Qu'est-ce que ça a fait à notre vie quotidienne? Je vois, c'est incroyable aujourd'hui, là, je vois un groupe de personnes, et vous n'êtes pas en train de pianoter votre téléphone. Incroyable. Sur le métro à New York, tout le monde est là penché sur son téléphone, à bidouiller avec leur pouce. Plus personne ne se parle. Parce que voilà le mode de vie qui a été créé par le capital. Et on doit apprendre à avoir un rapport avec ce mode de vie. Alors, il y a encore des manières positives d'utiliser cette technologie. Et je crois qu'il y aura la même chose avec l'intelligence artificielle.
Mais tous ces mouvements, tous ces changements ont besoin d'infrastructures. On pense que l'Internet nous tombe dessus du ciel. Mais en fait, non. Il y a une infrastructure derrière l'Internet. Il y a ces formes d'accumulation qui ont lieu et qui dépendent du développement des infrastructures. On veut une société du spectacle ? Eh bien, il faut construire des stades, des centres de conférences, des centres culturels. Il faut beaucoup d'argent pour construire des bateaux de croisière et les biens fixes, le capital fixe est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce capital, c'est une forme de capital qui ne bouge pas. Voilà la contradiction. Le capital peut créer une forme de consommation instantanée, alors que le capital fixe perdure. On peut construire des aéroports, on construit des ports, on construit des systèmes ferroviaires, et ça dure dans le temps. Et il y a quelque chose d'intéressant qui a été défini par Marx quand il a dit il nous faut des infrastructures et il faut que quelqu'un trouve la manière de financer et de construire ces infrastructures. Mais quasiment à chaque fois, les premiers investisseurs font faillite parce qu'ils ne peuvent pas attendre le retour sur investissement. Et le résultat, et c'est ce qu'on a vu avec le métro londonien dans les années 1900, les premiers investisseurs ont tout perdu. Les deuxièmes investisseurs sont arrivés et ils ont acheté des tunnels qui étaient déjà construits pour presque rien, et ils en ont fait une entreprise très profitable. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma lecture de Marx. Quand il a parlé de la construction des infrastructures fixes, il a dit qu'il fallait des surplus de capital et de travail. Et ensuite, cela rend possible la création d'une une plus grande productivité de travail. Et ce travail sera tellement important qu'on va créer un surplus de capital et de travail, ce qui crée ensuite plus de surplus de travail et de capital. Et ça devient un cycle qui monte en spirale. Et Marx a dit que quand cela va trop vite, il faut ensuite créer le moyen de créer du capital fixe qui n'améliore plus la productivité du travail. Autrement dit, on construit ce qu'on appelle aux États-Unis les ponts vers nulle part. Des formes inutiles de construction. Et je vous demande de regarder autour de vous dans la ville et essayer d'identifier les investissements inutiles qui ont lieu. Et ces investissements sont là simplement pour satisfaire le capital et non pas pour répondre aux besoins du peuple. Donc il y a une forme d'organisation qui absorbe le surplus, mais qui crée en même temps une forme de capital fixe qui perdure. Et les faillites n'ont pas d'importance parce que tous ceux qui ont construit ce système, ces infrastructures, ont créé du profit, que ce soit les promoteurs, les entreprises de bâtiments, etc. Ils s'en tirent très bien, même s'il s'agit d'un projet qui n'a aucun sens. Alors quel est un projet sans aucun sens ? Eh ben, on appelle ça un symbole culturel, un nouveau musée, un beau musée comme à Bilbao. On fait travailler des architectes stars, on construit des grands stades à la pointe de la technologie. Et puis, on se demande qu'est-ce que ça a contribué à la qualité de la vie quotidienne dans nos quartiers.
eh ben, ces qualités de vie quotidienne dépendent effectivement des infrastructures. On a parlé de la mobilité dans la ville. C'est très important. Combien de fois depuis 15 ans y a-t-il eu des mouvements massifs contre la mobilité dans les villes? Au Brésil, par exemple, ils ont augmenté le prix des transports. Et dans toutes les villes brésiliennes, il y a eu un mouvement, un soulèvement contre cette hausse de prix. Et si on prenait une carte de mouvante qui montre les mouvements de protestation sociale, des manifestations, on verrait que le monde est rempli de mouvements, de mécontentement, mais quelque part, ces mouvements ne se rejoignent pas. Ils ne se réunissent pas, et ils ne se réunissent pas en partie parce que le capital est très malin dans sa manière de proposer des échanges aux populations. Le capital est aussi très malin quand il s'agit de séparer, de fragmenter le public. Et, quand possible, faire en sorte que les fragments s'opposent. Et si cette opposition peut être basée sur des questions d'ethnie, de religion, de couleur de peau, tant mieux. Autrement dit, le capital gère le monde de façon à se garantir que nous ne puissions pas nous réunir. Comme ça, même si on a un peu de temps libre, ce qui n'est généralement pas le cas, même si on a un peu de temps libre, généralement, on ne réfléchit pas à la manière dont on pourrait créer des alliances politiques, une sorte de vivre ensemble qui serait nécessaire pour restructurer l'urbanisation et pour faire en sorte que ces infrastructures de capital fixe deviennent utiles pour le peuple, pour les gens, plutôt que d'être utiles uniquement pour l'accumulation du capital construit sur un mode de vie défini par le capital. C'est vrai qu'on parle de l'alignation dans la ville, l'alignation des structures de vie quotidienne à cause des structures qui nous sont imposées. Et la bataille contre l'urbanisation doit être centrale à tout mouvement politique qui cherche une nouvelle forme d'urbanisation. Parce que l'urbanisation qu'on a aujourd'hui est très différente de l'urbanisation qui existait dans les années 60, par exemple. Alors, si on arrive à le changer... Ah oui, c'est parce que dans les années 60, c'était une urbanisation fordiste. Alors, si on peut passer d'une urbanisation fordiste à une urbanisation néolibérale, pourquoi ne pas passer à une urbanisation socialiste? C'est possible. Les technologies existent, mais on sait que ces technologies ne seront utilisé que de façon pro-capitaliste et non pas de façon anti-capitaliste. Et c'est là que la lutte commence entre le public, le peuple et le capital. Et une fois qu'on a défini cette ligne de bataille comme ces positions qu'on doit prendre, eh bien, il me semble qu'il y a des tas de possibilités qui s'ouvrent. Honnêtement, vous allez peut-être être horrifié de l'entendre, mais les quelques fois où j'ai été en Chine, j'ai retrouvé des formes d'urbanisation qui étaient extrêmement originales, très, très, très intéressantes, le fruit de vraiment une création et des choses que j'aimerais bien voir importer aux États-Unis et peut-être même importer ici à Paris. C'est ce que Macron aurait dû rapporter de la Chine. Plutôt que d'une capitulation face à Xi Jinping. On aurait aussi proposé...
Est revenu. Bon. Mais du coup, vous ne le voyez pas, mais en fait, Jean-Luc Mélenchon prend beaucoup de notes. Et donc, je me demandais si vous aviez, du coup, une réaction à cette description de l'espace-temps capitaliste et de l'utilisation des réseaux qu'a décrite David Harvey. Il a dit beaucoup de choses très importantes, notamment sur, par exemple, la stratégie. La stratégie de lutte contre la fragmentation des luttes et surtout le mépris du caractère urbain des luttes par les secteurs de la gauche traditionnelle et leur incapacité, d'ailleurs bien mutuelle, avec les syndicats pour en faire autant. Et ça vous donne le résultat que vous avez vu récemment jusqu'à la crise, l'impossibilité de faire converger dans un même cadre l'action politique et l'action syndicale au nom de prétextes fumeux. Ça ne sera pas le sujet ce soir. Mais la question est posée. Je la mets de côté. Sur la forme de ce que serait une nouvelle forme d'urbanisation. Ce serait une forme qui, d'abord, donnerait du pouvoir aux citoyens. Donc ça procède aussi de la réforme des institutions et de l'organisation administrative du territoire. Si l'on ne veut pas rester dans des considérations d'autant plus, métaphysiques, que nous sommes les créatures d'un ordre du monde. Et comme ça mérite qu'on y réfléchisse. Si nous entrons dans la nouvelle époque avec les réflexes de l'ancienne période, c'est-à-dire l'individualisation à outrance des rapports sociaux et des relations interpersonnelles, il y a peu de chances qu'on arrive à avoir une vision de la démocratie qui soit réellement inclusive. On appellera ça plutôt du zapping, de la consommation, mais pas de la production de faits sociaux nouveaux, collectifs. Dès lors, il y a la nécessité, dans l'action de transformation et dans l'action révolutionnaire, d'avoir une méthode ou une ligne d'horizon. À mon avis, la nouvelle urbanisation et la nouvelle organisation des pouvoirs politiques doit partir de la gestion des biens communs d'intérêt général humain, l'air, l'eau, le silence, la beauté, le savoir librement partagé, etc. Si donc on doit se diriger vers une nouvelle forme de construction de la ville, nous nous dirigerions, à mon avis, vers une urbanisation de type écologique. J'ai pratiqué, j'ai de la chance et le privilège de l'âge, l'urbanisation dite socialisante, à l'époque, ou socialiste. C'était lorsque les classes moyennes étaient ascendantes, qu'elles achetaient leurs logements et qu'on mélangeait les logements achetés avec des logements loués. Dans mon canton, il y avait une copropriété, un programme de relogement des immigrés, la tour qui était possédée par la Poste, la copropriété à nouveau, etc., etc. Et ce mélange faisait ville dans les conditions où, premièrement, le chômage était à un niveau beaucoup plus bas, et deuxièmement, les classes moyennes projetaient sur l'espace leurs ambitions, leurs rêves, leur manière de voir la vie, et encourageaient les autres catégories sociales à penser que ce serait leur futur. Autrement dit, vous habitiez la HLM et vous regardiez à côté, et vous voyez votre futur, le bel appartement dans la copropriété. Et nous faisions des circuits ronds. C'est la Villeneuve à Grenoble, qui a ensuite donné toutes sortes de quartiers du même type, où on mettait les gens en rond, il y avait un espace vide au milieu, avec un parc, avec des arbres, avec du gazon, des fleurs, etc. Tout ça a très bien marché, aussi longtemps que les classes moyennes ont été ascendantes, et aussi longtemps que le chômage n'a pas dévasté les populations qui habitaient dans les HLM. On ne peut donc jamais dissocier la manière avec laquelle on gère l'urbanisation des conditions sociales dans lesquelles ça se fait. Et si nous devions aller vers une nouvelle forme d'organisation administrative des territoires, sur la base de l'écologie, par exemple, cela nous conduirait à réformer le système des 13 régions actuelles, qui ne ressemblent à rien, qui n'ont aucun sens, sinon l'idée de créer des territoires assez amples pour pouvoir les mettre en compétition les uns avec les autres. Harvey décrit très bien tout ça, en montrant comment le capitalisme crée des différences et produit les cadres pour qu'il y ait ces différences. Nous réorganiserions tout ça en faisant des éco-régions
dont le point d'ancrage serait les bassins versants pour la gestion du bien commun le plus précieux qu'est l'eau. À mon tour, je voudrais introduire dans les thèmes qu'a posé David à l'instant la question centrale de la place du temps avec l'espace et comment le temps va modifier l'espace. Dans la physique contemporaine, le temps et l'espace sont deux catégories liées. Le temps est une propriété de l'univers matériel et non pas un arrière-plan. Il m'apparaît, je l'expliquerai donc et vous me lirez bientôt, que le temps social est une production de l'univers social. Et que quand on modifie le temps social, on modifie l'espace social. Quand on modifie l'espace social, on modifie le temps. À l'instant, David vient de rappeler l'importance pour le capitalisme du temps zéro. Le temps zéro est celui où l'accélération du cycle capitaliste serait parvenue à son maximum d'efficacité. C'est-à-dire que A devient marchandise, puis devient A prime capital. C'est-à-dire que marchandise égale argent, égale marchandise ensuite. Et tout ça tournant de plus en plus vite. Est-ce que ce temps peut exister, le temps zéro? Oui, il existe. C'est le temps de la transaction en trading. La durée de possession d'une action, si on ne compte pas le trading, est tombée à 11 mois pour la France. Elle était de 2 ou 3 ans, il y a de cela à peine 20 ans. Et quand on introduit le temps du trading, nous tombons sur la moyenne de 22 secondes. Le temps de possession moyen d'une action en incluant toutes les formes d'échange, c'est 22 secondes. Autrement dit, nous ne sommes plus loin du temps zéro. Quand le temps est modifié, le temps de la production, le temps dominant qui est celui du capital, il modifie tous les autres temps, et jusqu'au temps artistique et culturel. Un plan de cinéma ne dure plus que quelques secondes, il était de quelques minutes autrefois. Il y a un rapport direct entre l'accélération du cycle de la production capitaliste et de la rotation du capital et toutes les autres formes qui dépendent de ce cycle central. C'est comment Marx voit ça, et David le cite à plusieurs reprises. Marx dit que le capital va vaincre l'espace par le temps. Alors c'est une formule qui est assez énigmatique. En réalité, que se passe-t-il? Il y a la thèse que je pose, qu'il y a un espace-temps capitaliste. Un espace-temps, c'est une idée bizarre. Vous connaissez tous le temps astronomique. Il y a eu des sociétés de l'espace-temps astronomique. Pharaon allait se faire lever l'étoile de Sirius, qui, grâce à sa magie, déclenchait la crue, et la crue modifiait les surfaces à cultiver, donc les impôts, à percevoir. Il y avait donc une homogénéité complète de l'espace-temps politique, religieux, financier, etc., etc., etc. Le capitalisme a créé un temps spécifique, un espace-temps spécifique, qui s'est détaché jusque de l'espace-temps astronomique. Dans la circulation du capital, il n'y a ni jour ni nuit. Il n'y a pas de saison, ni aucun des aspects qui sont liés au temps astronomique. Il n'existe plus qu'une chose, le temps du capital. Et le temps, d'une manière générale, le temps du capital, n'est qu'un rythme. Et c'est par le rythme, la concordance des rythmes, que s'établit l'harmonie dans la société, qu'on constate des concordances de temps et des discordances de temps. Toutes les concordances de temps acquises par le capital se payent par des discordances de temps pour les citoyens. Exemple, le cas que tu donnes, souvent, du flux tendu. Si vous faites de la production à flux tendu, le résultat est qu'il y a des camions sur les routes à certaines heures partout, au point que tous les autres temps sociaux sont ralentis. Ce sont les temps de transport. Et vous aurez pour les familles une dislocation du temps social, puisque tout le monde ne travaille plus aux horaires, et aux mêmes horaires, et que c'est le carnet de commande qui commande. Et ça vous donne le rêve du capital. On travaille tous les jours, toutes les nuits, tous les samedis, tous les dimanches, sans arrêt, et la rotation du capital accompagne la rotation des personnes qui sont là. La demeure familiale se transforme en un hôtel-restaurant avec des gens qui passent, et la cité tout entière vit avec des distances variables. La distance, je donne toujours l'exemple de ma ville, dans celle dans laquelle j'ai été élu longtemps, la distance de Paris à Massy est de 20 km à vol d'oiseau. Aucun d'entre nous n'est un oiseau. C'est la raison pour laquelle la distance de Massy à Paris fluctue entre 25 minutes à 4 heures du matin et 1h30 en pleine journée, voire 2 heures
à certains horaires, quand il y a beaucoup de camions, sur l'autoroute A6, sur les deux branches, celle qui conduit à Rungis et celle, l'autoroute A6, B ou A. Ces réalités de l'espace-temps sont toutes appuyées, comme le montre David, sur des infrastructures. Et c'est par le réseau des infrastructures que le capitalisme modifie l'espace-temps. Tout le monde a à l'esprit au moins l'exemple d'une carte qu'on appelle en français anamorphose. Si vous regardez la carte de France examinée du point de vue du TGV, vous verrez que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous croyez. Vous savez tous que c'est une carte complètement difforme où Marseille est à 3 heures de Paris, tandis que certaines communes qui sont beaucoup plus proches sont à 3 heures, 4 heures, 5 heures, alors qu'elles sont en distance kilométrique plus proches. La modification de l'espace-temps est ce qui a permis au capital d'organiser la mondialisation, c'est-à-dire de jouer sur des écarts de capacité de transfert des coûts de production sur l'environnement ou sur la société. Mais comment les capitalistes font-ils pour réaliser à l'échelle du monde, de la planète, ce qu'ils réalisaient à l'intérieur d'une entreprise ? Ils le font parce qu'ils ont pris la maîtrise du temps. Ça n'a rien à voir avec la vitesse. Un grand armateur m'expliquait que peu importe la vitesse de leur bateau, le temps zéro est atteint par une entreprise fournie par des bateaux. À quelles conditions ? À condition que le rythme corresponde, c'est-à-dire qu'ils aient une concordance des temps. C'est la régularité des livraisons qui fait que quand le stock est vide, eh bien, le bateau est là et la cargaison est arrivée et on peut fournir les machines. On est donc sur un temps zéro, alors que si on est sur un espace de 1000, 2000 kilomètres et parfois plus. Voilà ce qu'est l'espace-temps capitaliste et comment, moi je l'ai déduit de ce que j'ai lu dans ton œuvre et de ce que j'ai lu aussi dans ce que vous faites vous, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là aussi font des choses. J'ai presque fini j'ai carrément fini je crois. Le système de la concordance des temps est certainement l'idée la plus importante qui apparaît dans le travail que je suis en train de faire avec quelques camarades pour montrer que la discordance des temps est la cause de la destruction de l'écosystème. Pourquoi ? Parce que si vous mettez 10 secondes à produire 1 million de canettes et que les 10 secondes qu'il vous a fallu pour faire ça, je prends n'importe quel chiffre, hein, c'est pas les bons, hein, mais qu'ensuite il faut 3 siècles pour que les canettes finissent par se dissoudre, si vous produisez un sac en plastique toutes les secondes ou un paquet de sacs en plastique et qu'il faut ensuite 400 ans, eh bien vous voyez que c'est la discordance des temps. On pourrait avoir une gestion, je ne le souhaite pas, mais qui rende compatibles certaines productions avec la capacité de récupération de l'écosystème. C'est ce que nous avons appelé la règle verte, qui au départ est une formule générale qui dit on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Heureusement, personne n'est venu me demander dans quel délai, parce qu'au moment où on a écrit la règle verte, on n'en avait aucune idée. Mais on est capable de dire que, par exemple, aujourd'hui, on peut vous dire, si vous continuez à acheter tous les ans les tonnes de plastique que vous jetez dans la mer, nous sommes certains qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans l'eau de l'océan mondial que de poissons. Ce sera le cas pour la mer Méditerranée. La mer Méditerranée met 100 ans à se renouveler. Au rythme auquel on la pollue, il est clair qu'à un moment donné, ça devient un égout. C'est donc la discordance des temps qui va nous donner la clé. C'est une bonne nouvelle, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que ça, on peut le contrôler. Ça, on peut le mesurer. Ça, on peut le planifier. On peut planifier, d'abord, le rythme auquel on produit, dans des conditions supportables par l'écosystème. Et ensuite, c'est interdit de produire. Parce que sinon, on détruit l'écosystème. Vous voyez tous les problèmes que ça va soulever. Mais du moins, tenons-nous à portée de main la question essentielle, matérielle, qui est celle du rythme. Voilà ce que je vais essayer de développer, que je considère comme plutôt dans la continuité de ton travail à toi. Et j'espère que tu apprécieras. Merci. On est extrêmement en retard, on va abandonner des questions et en plus on avait prévu le plus petit nombre de questions possibles à poser à ces messieurs et parce qu'on se disait ils vont développer, ils auront le temps et tout ça. Mais bon,
On va essayer de faire encore de leur poser encore deux questions. La prochaine concerne le néolibéralisme. David, vous avez été un historien du néolibéralisme et pour vous, l'une de ses principales caractéristiques réside dans ce que vous appelez la restauration d'un pouvoir de classe sous l'égide qui s'est effectué sous l'égide de l'État. Un État qui se montre, comme on le sait, bien plus soucieux de la liberté des grandes entreprises que des droits et du bien-être des personnes. On en a encore aujourd'hui une bonne illustration avec l'actuelle des réformes des retraites qui parvient à combiner l'absurdité économique, l'injustice sociale et la répression féroce. Et quant à vous, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes depuis ces dernières décennies l'un des principaux adversaires du politique du néolibéralisme. Et le programme de la France insoumise marque une rupture claire, me semble-t-il, avec cette orientation politique. Donc la question que je vous adresse à tous les deux, c'est: sommes-nous en train d'assister à une crise d'hégémonie du néolibéralisme et est-ce que cela pourrait annoncer une rupture historique ? Alors, cela dépend vraiment de la définition du néolibéralisme. La plupart des universitaires aujourd'hui interprètent le mot comme un ensemble d'idées nouvelles qui existent depuis un certain temps, mais qui sont devenues hégémoniques au milieu d'une crise dans les années 70. Et donc, il y a la base idéologique des institutions, des grandes institutions, que ce soit la trésorerie américaine ou les banques internationales, le Fonds monétaire international, qui sont passés des 15e à des points de vue de production et pour moi je suis contre cette interprétation. Je pense que le changement, l'arrivée du néolibéralisme est arrivée dans les années 70, mais qu'il s'agissait d'un projet de classe. La classe capitaliste, à cette époque, n'allait pas très bien dans les années 70. Il perdait beaucoup de pouvoir. L'opinion publique était anti-entreprise. Et même le Congrès démocrate a passé des lois protégeant les droits des consommateurs. Ils ont créé l'Agence de la protection de l'environnement. Il y a eu tout un ensemble de législations qui ont été créées qui étaient anti-entreprise, anti-grosse entreprise. Il y a eu un mouvement anti-grosse entreprise puissant dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Et il y a eu des soulèvements de 1968 qui avaient contribué à ce mouvement. Et étant donné la situation, la classe capitaliste a décidé d'essayer de recréer sa dominance et, si possible, créer un projet de classe qui pourrait même renforcer son potentiel. Et ils ont fait cela, particulièrement aux États-Unis, en créant des think tanks créés par des grosses entreprises et des grosses banques. Et ils ont étudié même le moindre détail. Par exemple, les frères Rockefeller, qui étaient très puissants dans la ville de New York, et l'université où je travaille actuellement, l'université de New York, était gratuite. Et les frères Rockefeller n'aimaient pas le fait d'être taxés pour soutenir une université gratuite. Et donc, ils ont lancé une campagne pour s'assurer que l'université deviendrait une institution payante. Il y a eu une grande lutte dans les années 70 et les étudiants et l'université ont perdu et l'université est devenue une université payante
Donc il y a ce type de, d'événements qui ont reflété dans le microcosme, cette transformation dans le macrocosme. Tous ces think tanks avec le capital, le soutien des capitales, ont commencé à convaincre le monde que des choses pouvaient et devaient être différentes. Donc il s'agissait d'un projet de classe où le monde de l'entreprise et le monde du capital se sont réunis pour décider comment avancer. Mais ils avaient besoin d'une couverture idéologique. Donc, ils ont choisi d'appeler cela l'économie de l'offre contre l'économie de Keynes. Et ensuite, ils ont parlé de régimes qui divisaient des politiques d'austérité sur la base de production, d'offres, mais qui travaillent aussi sur le processus de ce qu'on pourrait appeler le risque moral. Parce qu'en gros, ce qu'on avait, c'est une dérégulation du capital et une libéralisation de la finance qui passait d'un contrôle de capital à un marché ouvert mondial. Et le dernier a essayé d'utiliser les contrôles de capital avec des conséquences désastreuses. C'était bien sûr Mitterrand au début de son premier mandat, alors que l'éthique néolibérale a été imposée sur l'Alliance à l'époque. Donc, pour moi, voilà, ça, c'est l'histoire du néolibéralisme. À mon point de vue, initialement, cela a réussi à rassembler un certain accord parce que, clairement, il y avait eu un blocage à la fin des années 60 et il fallait bien que quelque chose change. Et je pense que les gens voulaient bien accepter jusqu'à un certain point que le changement, la transformation vers un marché ouvert ouvrait les possibilités d'entrepreneuriat et des droits individuels, etc. Et le capital des entreprises a proposé en échange une liberté dans le champ culturel en échange d'une justice sociale. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Les inégalités ont grossi de façon dramatique un peu partout. Et en arrivant dans les années 90, le néolibéralisme se trouvait en mauvais état parce que les crises continuaient à avoir lieu. Et il y a eu une sorte d'accord qui ont été trouvés, une sorte de reconnaissance à la fin des années 80, suivant laquelle on pourrait opérer de deux manières. D'abord, d'un côté, on pourrait réguler la dimension spéculative et financière, mais les réglementations strictes voudraient dire stabiliser l'économie, mais avec un taux de croissance très bas. Ou de l'autre côté, il y avait la possibilité de la dérégulation, la privatisation de tout. Et dans les cercles économiques, on comprenait que cela voudrait dire qu'il y aurait une croissance plus importante avec des crises financières de temps en temps. Des crises financières qui viendraient du risque moral. Et il y a eu une sorte d'accord où les banquiers pourraient faire de la spéculation, ils pourraient prendre des risques avec, sous-entendu, le fait qu'ils seraient sauvés par les gouvernements. Ça s'est passé en 1987, dans les années 90 et de nouveau en 2008. C'est-à-dire que
Le néolibéralisme a toujours été une question de risque moral et d'austérité pour la population, mais les partenariats publics-privés basés sur du capital important étaient structurés de manière à ce que le public prenait le risque et le privé prenait les profits. Et le consentement public a commencé à diminuer au fur et à mesure des années 90. Et arrivé en 2001, le mécontentement et les mouvements anti-FMI, le mouvement altermondialiste étaient croissants. Et c'était à ce point-là qu'il me semblait, à l'époque, quasiment évident que les néolibéraux allaient rentrer en alliance avec les néoconservateurs pour trouver un néoconservatisme autocratique. J'ai écrit sur ce sujet en disant que le néolibéralisme ne pourrait survivre qu'en devenant autocratique et qu'il s'impose avec violence. Et c'est à peu près ce qui a eu lieu. Et donc, quand on me demande si le projet néolibéral est révolu, je dirais que non, cela continue. Mais il a perdu sa légitimité publique. On ne l'entend plus comme quelque chose de bénéfique pour la population. On comprend bien aujourd'hui que ce système apporte des privilèges aux milliardaires, aux 10% ou 1% les plus riches, et qu'il s'agit d'augmenter les inégalités. Et étant donné ce manque de légitimité, la seule manière d'effectuer un contrôle social, c'est par une répression violente. La fin du communisme avec la chute du mur voulait dire qu'on ne pouvait plus parler de Marx dans les années 90 sans qu'on se moque de vous. On m'a dit que le marxisme était mort. On me l'a dit plusieurs fois. Et moi, j'ai répondu que j'allais très bien, que j'étais bien vivant et que j'allais continuer à faire mon travail, mais que je me sentais un peu seule. J'avais 6 personnes dans mes cours. Et ils suivaient mon cours uniquement parce qu'ils avaient besoin de quelques UV supplémentaires. Et tout ce qui passait, n'importe quoi entre Aristote ou Marx, pourrait répondre à leurs besoins d'UV. Le marxisme a disparu en France, je pense, a disparu un peu partout. Mais en même temps, il s'agissait d'une période très intéressante parce que, en fait, parce qu'il se passait des choses intéressantes dans les usines du monde, dans les années 90, pouvaient être insérées toutes directement sur le chapitre du travail, la journée du travail, dans le livre de Marx. Et c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'on avait fait revenir le capital au même état que l'industrialisme de Manchester, qui était critiqué dans le livre Capital de Marx. Donc, le marxisme n'était pas si pertinent vis-à-vis des politiques des années 70, mais est devenu complètement pertinent, mais complètement ignoré dans les années 90. Et puis ensuite, il y a eu les crises en Asie du Sud-Est et les crises qui ont explosé en 2007-2008, où tous les économistes se sont retrouvés à ne pas comprendre ce qui se passait. Il y avait ce moment délicieux où la reine d'Angleterre a pris le thé avec les économistes de l'Académie britannique, et la vieille dame leur a demandé: mais pourquoi comment ça se fait que vous n'avez pas vu venir cette chose? Et ils ne savaient pas répondre. Et donc ils sont rentrés chez eux, ils ont rédigé un rapport qu'ils lui ont envoyé 6 mois plus tard. Et ils ont dit en gros: nous avons travaillé pour essayer de comprendre les fonctionnements de l'économie, mais
d'une manière mystérieuse, ils ont raté le risque systémique. Et elle a dit, vous avez raté quoi ? Est-ce que vous prendriez un avion où personne n'a pensé au risque systémique ? Eh bien non, bien sûr que non. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de chercher des excuses depuis. Bon, moi, je fais mien les arguments que vient de développer David. J'en rajoute un ou deux, des observations que je me fais. D'abord, sur la misère de la prétendue science économique, parce que se présenter comme une science quand on échappe au principal critère de la science, qui est la prédicibilité, ça mérite d'être dit. Ça mérite surtout d'être dit pour les plus jeunes d'entre vous qui font des études de sciences économiques et qui croient à l'économétrie et que tout se met en chiffres et en plans et ainsi de suite. Et qui n'ont pas dans leur cours une seconde de sociologie, pas une minute d'ethnologie, pour ne rien dire du reste des arts et des sciences. Donc nous vivons sous la houlette de gens qui sont munis de divers catéchismes et de textes dans lesquels se trouvent des mantras qui ont une efficacité extrêmement limitée, comme les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et les profits d'après-demain, toutes sortes de choses de cette nature qui n'ont jamais lieu. Et la main invisible du marché va mettre en équilibre, et ça ne se produit jamais. Et d'ailleurs, ça ne peut pas se produire, parce que le système capitaliste tout entier est un système qui repose sur le déséquilibre. Et dans les livres de David Harvey, on voit comment le système se nourrit des crises. Alors ça a suscité dans les années 30 des polémiques assez furieuses pour savoir si ça voulait dire qu'il y avait un point moyen d'équilibre. Et au-delà de ce point, il y avait le déséquilibre, puis après on reconstruisait, donc ça voulait dire que le capitalisme était là pour toujours. Oui, aussi longtemps qu'on le supportera. Car le capitalisme n'est pas un rapport économique pur. Ça n'a pas de sens, un rapport économique pur. Le capitalisme est un rapport social qui permet à certains de voler du temps de travail gratuit aux autres. Par conséquent, tant que ceux qui se laissent voler du temps de travail gratuit se laissent voler, ils seront volés. Quelle est la limite à l'exploitation capitaliste ? Vous connaissez la réponse. Quelle est la limite ? La résistance à l'exploitation capitaliste. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres, parce qu'ils peuvent vous réduire à l'état d'esclave si vous acceptez les chaînes. Et toute la mécanique capitaliste ne peut pas être autre chose qu'un système culturel qui vous convainc que c'est pour votre bien. Et ce mécanisme-là, il est décrit d'une certaine manière, charmante, dans une période très dure, par Étienne de la Boétie, qui vous accueille aujourd'hui, dans le livre qui s'appelle « La servitude volontaire », où il explique comment l'habitude fait que... Alors, quand ce livre est paru, a été réexaminé dans les années 70... J'ai dû faire partie de ceux qui étaient horrifiés. Comment ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que notre servitude est volontaire ? Pas du tout ! La servitude est la responsabilité exclusive du tyran. C'est absolument faux. La servitude est d'abord le résultat de l'acceptation de la servitude. Voilà. Alors, ce sont des paroles amères à entendre. Mais maintenant, si on regarde le capitalisme lui-même et sa légitimité, la force du capitalisme, c'est que c'est un système qui va se nourrir de ses propres turpitudes. Peut-être m'avez-vous déjà entendu raconter cette histoire, que quelqu'un m'avait expliqué, quand les glaçons remonteront à la surface de l'océan, ça sera terrible parce que ça voudrait dire que la quantité de flotte pèse dans de telles conditions que la couche de glace qu'il y a au fond de la flotte, des océans, remontera à la surface. Et là, c'est très dangereux parce que c'est gorgé de méthane. Et un jour, je vois une petite insertion dans un journal qui dit « Ah, il y a un gars qui dit, c'est formidable, il flotte des glaçons de méthane, on va pouvoir exploiter le méthane ». Voilà la seule idée qui lui était venue à l'esprit. Alors nous vivons donc maintenant au cycle décennal habituel du capitalisme, des crises décennales, ça continue, mais s'y ajoutent d'autres qui sont le résultat des conditions dans lesquelles le capitalisme a survécu. Par exemple, la production d'une masse monétaire gigantesque dans la main des États-Unis d'Amérique ne correspondant à aucune valeur matérielle produite. À tout moment, la gigantesque bulle qu'est l'économie dollar peut percer pour des raisons, par exemple, géopolitiques.
Si la Chine et quelques autres, comme ils l'ont décidé, décident de faire leurs transactions entre eux en monnaie nationale, bye bye la valeur du dollar, qui était rendue nécessaire par le fait que tout le monde faisait ses transactions en dollars pour acheter tout, le pétrole, le ci, le là, etc. Les États-Unis d'Amérique sont parfaitement conscients que c'est ça le risque stratégique numéro un qui leur pend au nez. Les Russes n'ont plus un dollar dans leur coffre. Quant aux Chinois, tous les ans, ils en vendent un peu, ils en rachètent un peu. Ce qu'il faut pour que ça ne s'écroule pas, mais en faisant en sorte qu'au fur et à mesure, la masse de dollars qu'ils possèdent disparaisse de leur coffre. Alors, il y en a une telle quantité qu'il y en a pour un moment. Mais c'est pour dire que l'enjeu numéro un est l'enjeu, veut dire qu'il peut surgir en plus, c'est la méga-crise. Et deuxième méga-crise, la crise écologique. Personne ne sait en quoi consiste une crise climatique. Personne ne le sait. On sait que c'est l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prévoir. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle va avoir lieu et qu'elle a déjà commencé et qu'elle est irréversible, par exemple par la crise de l'eau. Donc à tout moment, surgit une crise de l'eau. La crise de l'eau, c'est absolument con, ça ridiculise absolument tous les pouvoirs. Tout d'un coup, du jour au lendemain, vous êtes obligé de venir avec des bouteilles d'eau ou de venir avec des camions qui transportent de l'eau dans des zones où il y en a toujours eu, mais tout d'un coup, il n'y en a plus. Ces deux crises s'ajoutent à toutes celles qui peuvent venir de la crise cyclique du capitalisme, etc., etc. Je ne m'étends pas, David a décrit ça mille fois mieux que je le ferai. Alors, c'est la raison qui me conduit, pour ma part, à adopter et à croire que le seul programme politique qui tient la route, c'est celui qui accepte la radicalité du défi. Si vous continuez à faire comme avant, y compris en jouant la musique social-démocrate, nous allons compenser les inégalités qui existent en développant par la croissance et en répartissant inégalitairement, eh bien allez-y. Vous savez tous très bien que c'est impossible, cette croissance ne peut pas avoir lieu sans fin. Et si vous ne touchez pas au stock du capital accumulé, arrêtez de croire que vous êtes en train de refuser, vous faites la bonté de laisser au capital un stock de billets, vous lui laissez un rapport social. Et ce rapport social, c'est lui qui lui permet d'acheter les journaux, la télé, les journalistes, les hommes politiques et les femmes politiques pour en faire leurs marionnettes, pour aller répéter matin, midi et soir que leur système est indépassable. La révolution citoyenne est donc une révolution qui oppose la volonté de contrôle par les citoyens à la volonté de contrôle par le capital. C'est une bataille pour le contrôle, je termine. Elle a, il faut le mentionner, qu'est-ce qu'une révolution? C'est pas une barricade avec des gens à moitié à poil comme sur le tableau de la croix, hein, qui se battent avec à moitié nus. Non, c'est un, le changement de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire mettre au sommet, au lieu de la concurrence libre et non faussée, la solidarité. Deux, la modification du régime de la propriété en nationalisant tous les biens communs, en commençant par le temps. Et enfin, c'est une modification de l'ordre politique, c'est-à-dire une nouvelle constitution. Voilà pourquoi, à mon avis, face au néolibéralisme, à part les bavardages, il n'y a qu'une chose sérieuse qui tient la mer, c'est la révolution citoyenne. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avions une dernière question sur l'État, mais je crois que nous n'aurons pas le temps parce que nous devons laisser la salle à 21h15, donc très prochainement, ce qui va nous permettre en fait de conclure. Simplement, peut-être je voudrais laisser un mot de conclusion à David Harvey, si vous voulez dire quelque chose sur cette idée de révolution citoyenne ou sur le rôle de cette planification. On vous laisse quelques mots de conclusion, David. Oui. Ah, ça ne va pas être facile en quelques mots, car il y aurait tant de choses à dire. Une des choses que je peux dire, très certainement, c'est qu'une grande partie des choses que l'on a, dont on a parlé aujourd'hui ne peuvent se faire que par le biais d'une alliance politique, d'une forme ou d'une autre, centrée sur les classes travailleuses. Elle-même, dans un monde où les personnes qui travaillent et les personnes dans leur ensemble puissent créer un fonctionnement politique qui les serve. C'est quelque chose de compliqué du fait de la précarité et de l'aspect éphémère de la vie sociale, mais c'est possible, c'est envisageable. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
si l'on se donne la peine de les construire, de mettre en place des forces d'alliance. Ce que je crains, c'est qu'on ne le fasse pas. Et si on ne le fait pas, nous allons nous retrouver dans une situation d'explosion dans des proportions inimaginables. Et je pense que cette question du capital fictif circulant est quelque chose à garder à l'esprit pour une analyse solide de ce qui se produit actuellement, pour que nous soyons capables de rallier, de créer un mouvement politique qui permette de faire advenir des changements sociaux. Thank you, David. Thank you so much. Sincèrement, remercier David Harvey d'être venu en France, d'avoir partagé son temps avec nous à Paris. Et merci à Jean-Luc Mélenchon d'avoir pris le temps d'analyser et de discuter les thèses de David Harvey. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux. On espère que vous continuerez à suivre nos travaux. Et un grand merci aux traducteurs, traductrices qui ont fait un super travail. Merci à tous et à très bientôt.